Bienvenue à ce nouveau tutotellerie. Aujourd'hui, on va réaliser un cocktail à base de bière. C'est un cocktail de Noël qui va se composer de rhum ambré. Là, on a pris du Saint James. On peut prendre une autre marque. On va avoir du Grand Marnier, du sirop de cannelle de la marque Monin, mais on peut utiliser également une autre marque. Ici, vous trouverez notre bière. C'est une IPA, c'est une bière qui a été réalisée par les CAP CSHCR. Commercialisation et service en hôtel, café, restaurant. C'est une IPA, une Indian Pale Ale, donc c'est une bière qui va être très amère, très houblonnée. Et puis ensuite, on va avoir du jus d'orange frais. Donc on va commencer par prendre le verre qui va nous servir pour le service de cette bière. On va commencer par mettre des glaçons pour rafraîchir le verre. Tourner les glaçons à l'intérieur pour bien rafraîchir notre verre. Alors, on ne mettra pas de glaçons pour le service final. On ne met pas de glaçons dans un cocktail à base de boisson effervescente ou en tout cas à base de bière, parce que ça viendrait casser la bulle de notre produit. On va ensuite prendre notre shaker dans lequel on va remplir à demi de glace. Voilà. Et ensuite, on va commencer la composition de notre cocktail. La première partie va se passer dans le shaker afin de bien refroidir nos éléments. On va commencer par ajouter 5 centilitres de jus d'orange frais. On va ensuite ajouter 1 centilitre de sirop de cannelle. Alors, en fonction de la marque du sirop, attention, il est plus ou moins puissant en cannelle. Il faudra peut-être ajuster. Ensuite, on va ajouter 2 centilitres de Grand Marnier. Et puis ensuite 3 centilitres de rhum brun. On va retirer l'eau des glaçons parce que il y a déjà de l'eau, les glaçons ont commencé à fondre, cela pourrait donner un mauvais goût à notre cocktail. On va ajouter notre produit. L'eau des glaçons qui se trouve dans notre verre. On va venir filtrer notre préparation. Il est important de ne pas en perdre. Ensuite, on va venir compléter avec notre bière IPA. Et voilà. On va venir exprimer au-dessus un zeste d'orange pour ajouter de l'amertume et également de la saveur. Et puis pour la décoration, on va venir ajouter un bâton de cannelle. Et une rondelle d'orange. Et voici notre cocktail sucré et amer aux saveurs de Noël. Bonne dégustation.